Bonjour à tous et bienvenue dans ce direct avec le Journal du Golf. Dans quelques instants, j'aurai le plaisir d'être en compagnie de Antoine Rosner, joueur du circuit européen. Va vous montrer une toute petite vidéo avant de son swing pour les joueurs qui n'ont pas eu l'occasion encore de le croiser à la télé. L'année dernière, on a vu Antoine qui a gagné deux fois sur le Challenge Tour, donc la deuxième division européenne, et qui a gagné ses cartes, sa carte d'accès pour le circuit européen, qui a démarré sa saison vraiment d'une façon remarquable avec une deuxième place à l'Efrija Bank Moorish Open, donc une épreuve du European Tour, et qui était, il me semble, la deuxième épreuve du European Tour à ce moment-là de la saison. Donc, on voit qu'il y a pas mal de personnes qui commencent à se connecter. Juste, si le live marche, si vous m'entendez correctement, si vous me voyez correctement, est-ce que vous pouvez me faire juste un petit coucou dans la zone de commentaires? Je vois qu'il y a Christelle qui est connectée, je vois qu'il y a Christian qui est là, Frédéric qui dit bonjour Lewis, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes de connectées, c'est très bien parce que, voilà, c'est la première fois durant le confinement qu'on a un joueur du circuit européen qui est avec nous, et aujourd'hui on va vraiment parler de choses extrêmement intéressantes. On va parler un petit peu de la préparation mentale pour le golf, et Antoine a connu vraiment des expériences formidables sur le circuit, et donc on va pouvoir profiter vraiment de toute son expérience et pouvoir apprendre d'un joueur du circuit pour ensuite vous permettre à vous de savoir comment est-ce que vous pouvez progresser au golf. Donc pas mal de personnes de connectées. Est-ce que vous m'entendez? Morane qui est là, qui dit hello. Marion qui est là. Ramsès. Anne qui dit bonjour. Des fois, je suis pas sûr que c'est des vrais noms Facebook, hein. Des fois, je dis des noms. Je suis un peu Philippe qui est là, qui dit il faut qu'il y ait des rituels et ce rendez-vous en est un. Super. Marc qui dit hello. Pascal qui dit bonjour. Ok, super. Alors, sans plus attendre, je vais vous montrer une petite vidéo d'Antoine pendant que je me connecte à Antoine. On sera en duplex. Antoine est de chez lui. Évidemment, on respecte les règles du gouvernement. Donc, on est en duplex avec Antoine qui est chez lui. Et puis, en attendant, je vous fais découvrir une petite vidéo d'Antoine qu'on a tournée il y a peu de temps à l'île Maurice. D'abord, il faut partir de la trajectoire. Donc, Antoine a une tendance à avoir une trajectoire de balle en fade, c'est ce qui lui correspond le plus, c'est ce qu'il maîtrise, alors qu'avant il faisait du draw. Donc, ce qui est intéressant à savoir avec le fade, c'est quand on voit en fait Antoine de face, il a une main gauche qui est dans une position assez forte. Alors, les amateurs ont tendance à penser qu'une main gauche ou un grip fort va automatiquement vous permettre de faire un draw. Mais dans le cas en fait d'Antoine, ce qu'il fait, c'est qu'il se sert d'une main gauche forte pour avoir une face qui est orientée à gauche par rapport à la ligne de jeu au moment de l'impact. Mais tant que la face est ouverte par rapport au chemin, c'est ça qui lui permet en fait d'avoir cette maîtrise du fade. S'il avait un grip trop neutre, ce qui veut dire que la face de club serait pratiquement square à l'impact, le problème c'est qu'il y aurait trop de différentiel entre l'orientation de la face de club à l'impact et le chemin. Dès qu'il y a trop de différentiel entre les deux, c'est ça qui va causer en fait à une trajectoire d'être beaucoup trop prononcée. Donc la façon dont Antoine maîtrise le fade, grâce à un grip main gauche forte, face de club orientée à gauche, le chemin qui va un peu plus à gauche, et à chaque fois c'est ça qui lui permet d'avoir des drives et des mises en jeu et des attaques de green qui sont absolument maîtrisées et parfaites. C'est les choses qu'on voit pas. Moi j'ai eu l'occasion de voir Antoine l'année dernière en tournoi, et c'est vrai que quand on le voit off caméra, j'adore son attitude quand il est sur le parcours. C'est un joueur, on voit qu'il a vraiment la tête sur les épaules, il est posé, et quand on dirait qu'on a l'impression que c'est un joueur, ça fait déjà 10 ans d'expérience qu'il a sur le circuit quand on le voit. Il a cette attitude où il se sent extrêmement à l'aise. Donc moi j'adore ce côté-là en fait d'Antoine, sur lequel on peut s'inspirer après. C'est vraiment connaître son système de jeu et avoir le tempo qui est adapté par rapport au système. Donc quand Antoine swing un peu trop vite, il a tendance à avoir la balle qui est contactée un peu plus talon. Et ce qui veut dire que la trajectoire est trop prononcée. Et pour le coup, le swing d'Antoine avec une face fermée à l'impact, ça doit être extrêmement contrôlé par justement un tempo qui est régulier
est performant. S'il perd ce tempo-là, c'est là où il peut avoir des trajectoires trop prononcées. Donc connaître son système de jeu est super important. Travailler son tempo, c'est primordial. Et on voit effectivement que chez un joueur de haut niveau comme Antoine, on voit à quel point ça paye de jouer avec un tempo qui est constant tout au long de la semaine. Alors Antoine, ça y est, on est en direct. J'espère que tu vas bien, Antoine. Alors, petite vidéo qu'on a fait découvrir en fait à l'audience qui a été tournée par Martin Coulon à la Freja Bank Manche Open. Ça rappelle quand même des bons souvenirs. Ta deuxième place lors de la Freja Bank. C'est quand même un tournoi qui te réussit, hein. L'année d'avant, tu avais fait un top 10. Et là, tu finis deuxième. C'est vraiment une belle expérience. Ouais, salut tout le monde. Ouais, comme tu dis, super. C'est des bons souvenirs. Déjà, ça fait du bien de voir des images un peu d'extérieur et voilà, de se rappeler. On a l'impression que c'était si lointain de jouer au golf en extérieur, mais bon. Ouais, ça rappelle des bons souvenirs et voilà. Ouais, comme tu dis, c'était le deuxième tournoi de la saison. Et j'ai réussi à faire une solide perf deuxième. Donc voilà, c'était une super façon de lancer la saison. On a un commentaire là de Anne. Alors toi, tu es donc on est en Skype avec Antoine qui est donc en confinement de chez lui. Merci de respecter les règles, Antoine, comme nous tous. Et puis là, en même temps, pendant le live, Antoine, je suis en train de rajouter des commentaires. J'ai l'occasion en fait durant le live de rajouter des commentaires de la part de l'audience qui nous regarde. On est presque à 200 personnes qui sont en direct avec nous. Et là, il y a Anne qui nous dit ça nous fait rêver. Donc les images de l'île Maurice où on te voit taper, Antoine. Mais rien que d'entendre des contacts de balles, quel doux bruit qui nous manque. Donc toi, Antoine, durant le confinement, j'imagine que ça te manquait également d'aller retrouver les fairways, de jouer au golf, non? Ouais, complètement. Bah, c'est surtout en plus ce matin, je me suis levé. Et... Pardon, excuse-moi. Ouais, il fait beau. Il fait un temps incroyable. Il n'y a pas un nuage. Donc voilà, c'est vraiment un temps où on se disait ça aurait été idéal pour faire une petite partie. Mais bon, il faut rester chez soi, il faut respecter les règles. C'est comme ça, c'est pareil pour tout le monde, il faut surmonter cette période un peu dure, donc voilà, il n'y a pas trop le choix, il faut respecter les règles. Alors toi, est-ce que en étant joueur du circuit européen, est-ce que tu as un peu j'imagine que c'est compliqué de donner des news, parce que même le gouvernement est un peu dans le flou sur comment ça se passait par la suite, mais est-ce qu'en termes du calendrier du European Tour, est-ce que tu as des news, des scoops à nous donner sur la reprise ou une éventuelle reprise? Non, pour l'instant, on n'en sait pas plus. On espérait pouvoir reprendre à Valderrama fin avril. Le tournoi a été décalé. On espérait donc reprendre deux semaines après au Danemark. Celui-là a été décalé aussi. Donc voilà, c'est le flou pour l'instant. C'est, je crois, donc la semaine après le Danemark. Je sais plus exactement ce que c'est, mais on ne sait pas, ça peut changer tellement vite. Les organisateurs peuvent décider de décaler le tournoi. Donc voilà, ouais, c'est le flou total. Ça, du jour au lendemain, les tournois peuvent être décalés, annulés. Même les JO, là, ouais, en ce moment, ils disent que tous les tournois sont décalés. Il n'y en a aucun officiellement qui est annulé. Mais je ne vois pas comment ils peuvent vraiment remettre tous ces tournois décalés sur la fin de saison. Le calendrier est déjà bien chargé. C'est des tournois qui sont probablement annulés, à part peut-être des gros comme Valderrama, par exemple. Alors, il y a Damien Pierrier qui est également un joueur professionnel que tu connais bien, qui dit « Les bruits d'Antoine à l'impact n'ont rien de doux en revanche », pour reprendre un peu tout à l'heure. Merci, Dimitri. Donc, Antoine, la raison pour laquelle je t'ai appelé pour faire ce Facebook Live, et je te remercie énormément de répondre présent pour le Facebook Live durant ce confinement en partenariat avec le Journal du Golf, c'est vraiment de pouvoir vraiment échanger avec un joueur de très haut niveau qui a l'expérience que tu as, même si c'est ta première full année sur le Tour européen. Tu as quand même déjà énormément d'expérience. Tu as gagné deux fois sur le Challenge Tour. Tu es venu vraiment, ça s'est joué absolument à rien du tout. Et j'étais là sur le green du 18 lors du playoff avec Rasmus à la Freja Bank Manche Open, où tu perds en playoff sur le troisième trou. Et puis voilà, je me suis dit, tiens, ça serait hyper intéressant d'un petit peu rentrer dans le cerveau d'Antoine et comprendre un petit peu comment Antoine fonctionne lors d'un tournoi du European Tour, lorsqu'il est en train de préparer le dimanche quand il joue en dernière partie, par exemple, les moments qui ont été un peu plus compliqués, les moments sur le parcours où tu te sens vraiment bien, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, les moments où tu as des doutes, comme nous tous, comme les joueurs amateurs, comme nous les coachs quand on va faire des pro-ams, on vit tous des émotions qui sont humaines. On a tous des émotions, on a tous ce point en commun, mais
La différence, c'est que je pense que les joueurs qui arrivent à s'imposer au plus haut niveau, la différence, c'est qu'ils arrivent en fait à gérer les émotions de la meilleure façon possible. C'est ceux qui ont une réelle prise de conscience et ceux qui ont la capacité de pouvoir sous pression à gérer ses émotions et à pouvoir justement performer encore mieux dans les situations où ça compte vraiment. Donc, la première question que je voudrais te poser, Antoine, en revenant justement sur cette expérience de l'Afrija Bank, Maurice Open. Le jour avant, revenons sur le samedi soir, tu sais que tu vas jouer en dernière partie le dimanche. Comment ça se passe pour toi mentalement? Qu'est-ce qui se passe en fait à la fin du journée du samedi? Comment se prépare ta soirée? Bah déjà après ma partie du samedi, j'ai fait mon petite j'appelle ça récup technique habituelle où je suis allé taper un quart d'heure de balle, un petit peu de putting, voilà. Et puis après, en fait, la chance que j'ai eue entre guillemets, c'est que le tournoi se jouait à l'île Maurice. Donc île Maurice dit la piscine, dit la mer, On était pas mal, donc hein. On était pas mal à héritage quand même, à partir de là, hein. en fait, j'ai éteint le téléphone, j'ai laissé dans la chambre et je suis parti à la piscine pendant 2 heures. Donc déjà, ça va être pas mal pour couper et penser à autre chose. Alors ça c'est intéressant, tu coupes, tu mets le téléphone de côté. C'est quelque chose qu'a Ouais, évoqué Rory c'était la première McIlroy, fois que je ouais. faisais ça, en fait. J'avais entendu Victor Pérez qui avait fait ça pendant le Denil, la veille du dernier tour. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant parce qu'au final, on reçoit des tonnes de messages, quoi. Même des messages d'amis, hein. Allez, bonne chance pour demain. Mais au final, ça rajoute peut-être un peu une forme de pression pour le dimanche. Donc c'est une pression un peu inutile, en fait. Même si j'adore recevoir des messages des copains et ça fait plaisir, et voilà, mais ça rajoute un peu de la pression inutile. Et donc voilà, couper le téléphone, c'était vraiment quelque chose de bien et c'est à refaire. Maintenant, j'ai envie de dire, j'étais assez prêt pour ce dimanche parce que j'avais fait pas mal de dernières parties sur le Challenge Tour, où, surtout après mes 2 victoires, et je me suis retrouvé le dimanche aux avant-postes après ça. Et en fait, je jouais pour monter directement sur le circuit européen parce que si je gagnais une troisième fois, je montais direct sur le circuit européen. Donc en fait, j'avais connu des dimanches vraiment sous haute pression ou avec plus ou moins de réussite d'ailleurs. Et je pense que ces échecs, en gros, de la troisième victoire sur le Challenge Tour m'ont vraiment bien préparé pour ce dimanche à l'île Maurice, quoi. Alors, Et ouais, vas-y. je me suis retrouvé aux avant-postes et au final, c'était une pression que j'avais déjà connue auparavant et je l'ai un peu moins subi que quand j'étais sur le Challenge Tour. Alors, on a une question hyper intéressante de David Pivoto qui dit, Antoine, que recherches-tu sur le quart d'heure technique? Tu sais, tu as évoqué que tu allais sur le practice juste après ta partie. Ouais. Alors, première question, est-ce que c'est quelque chose que tu fais après chaque partie? Et donc, la deuxième chose, la question de David, qu'est-ce que tu recherches finalement durant ce quart d'heure après ton parcours? Voilà, ça dépend un peu de la journée, mais s'il y a des compartiments du jeu qui n'ont pas marché, je vais essayer de retourner au practice pour rectifier le tir. Mais à l'inverse, si j'ai fait une super journée, je vais essayer de reprendre des choses simples. Je remets une baguette au sol pour vérifier que mon alignement soit bien. J'essaie de travailler peut-être 5-6 fades. Je me base beaucoup sur les trajectoires des fades, des draws. Voilà, des trucs très simples. Mais si je sors d'une mauvaise journée, je vais essayer de rectifier ce qui n'a pas marché. Et puis à l'inverse, si j'ai fait une bonne journée, je prends des trucs très simples où j'essaie de me mettre 2-3 cibles, pas trop techniques parce que j'ai fait une bonne journée, il n'y a pas besoin de chercher la petite bête, mais voilà, des trucs très simples, remettre une baguette au sol, c'est intéressant parce que souvent dans une partie, on peut un peu dérégler son alignement, donc voilà, c'est des petits trucs très simples. Donc hyper intéressant là Antoine ce que tu viens d'évoquer, quand tu sors d'une partie qui ne s'est pas passée de la façon dont tu souhaitais, tu vas faire en quelque sorte une rétrospection sur cette partie, tu vas regarder, tu vas analyser cette partie peut-être avec ton coach ou seul ou avec ton caddie, là tu vas déterminer deux trois éléments finalement dans la partie qui auraient pu mieux se passer et tu retournes sur les zones d'entraînement et tu vas en quelque sorte te remettre en confiance en rectifiant ce qui s'est pas passé comme tu souhaitais sur le Ouais, parcours. Donc ça c'est... exactement, exactement. Essayer de se remettre en confiance pour le lendemain, tout simplement. Et ça c'est quelque chose que j'évoque vraiment tout le temps dans mes séances de coaching, avoir la capacité de pouvoir
analyser ses parties, avoir la capacité de pouvoir finalement pas sortir d'un parcours et d'être complètement démoralisé par ce qui vient de se passer, si ça s'est pas passé comme on souhaitait, et de vraiment avoir la capacité de objectivement regarder la partie et dire ok, bon, concrètement, là j'ai pas réussi le drive sur tel trou, là j'ai pas rentré le putt sur quel trou. Pour quelle raison? Est-ce que c'était une problématique physique? Est-ce que c'était la fatigue peut-être? Est-ce que c'était technique, mécanique? Ou est-ce que c'était sur le plan de vue mental qu'on va évoquer tous les deux? Et souvent les amateurs, Antoine, ce qu'ils font, c'est que quand ils sortent d'une mauvaise journée sur un parcours, ils s'orientent automatiquement vers une problématique technique, mécanique. Ils retournent sur le practice et ils pensent qu'en tapant une centaine de balles en corrigeant quelque chose de technique, c'est ça qui a fait que. Donc il faut vraiment avoir cette capacité, finalement, quand on sort du parcours, de non seulement analyser sa partie, mais de choisir la catégorie dans laquelle la problématique est survenue. Est-ce que c'est le problématique physique, mentale ou technique? Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu fais également? Est-ce que quand tu te remets en question sur ta partie, tu détermines la partie qui allait pas? Ouais, bah, j'ai envie de dire, moi, à l'inverse, enfin, de ce que tu disais, j'essaie de dédouaner la technique le plus possible. Et je me dis que si j'ai fait un mauvais coup, c'est que ou ma prise de décision était pas bonne, ou j'ai pas joué le coup, ou je me suis trompé de club. Enfin, ça peut être. J'essaie de me trouver d'autres raisons que la technique. Et souvent, Ah, d'accord, ok, j'ai donc pris ouais. une mauvaise décision. Ok. Et que je me sens pas à l'aise avec le coup que je veux taper ou que je le crois pas, c'est souvent là que je fais des mauvais coups et pas, bon, on a le droit de rater, hein, je dis pas le contraire, mais souvent si je dis n'importe quoi, attaquer un drapeau en draw, mais qu'au fond de moi, je le sens pas, bon, bah, elle est là l'erreur. Et si j'ai raté le coup, c'est justement parce que j'ai pris une mauvaise décision. Plutôt que bon bah j'ai raté mon draw, le coup que je maîtrise pas trop. Voilà, pourquoi ne pas si c'est un coup qu'on ne sent pas, attendre un autre moment plus j'ai envie de dire abordable pour attaquer un drapeau et faire le coup que je veux. Mais voilà, je me base plus moi sur l'approche d'un coup plutôt que sur la technique. Donc déjà là, Antoine, tu viens de nous donner une pépite d'or là. J'espère que ça ouvre les yeux à beaucoup de joueurs qui nous regardent. Antoine, à l'inverse de la majorité des joueurs amateurs, quand ils sortent d'un parcours, les deux premières questions qui se posent, c'est est-ce que c'était plutôt pas un problème mental, je dirais pas un problème mental, mais il va s'appuyer, au lieu de se dire que c'était une problématique mécanique ou technique, il va d'abord s'appuyer sur le ressenti. Comment est-ce que je me suis senti devant ce coup-là? Quand je voulais attaquer le drapeau et je sentais que j'étais pas à 100%. Voilà, donc c'est vachement ce que j'appelle une prise de conscience finalement. Tu es vachement à l'écoute de tes sensations, de tes pensées. Et à la fin du parcours, c'est la partie technique arrive finalement en dernière partie, contrairement aux amateurs qui arrivent en toute première partie. Alors après, on peut donner l'argument que les joueurs professionnels, mécaniquement parlant et techniquement parlant, vous êtes peut-être beaucoup plus réguliers, vous avez un swing qui offre beaucoup plus de stabilité au niveau de la régularité et des trajectoires qu'un joueur amateur qui peut-être lui a besoin de plus de maîtrise technique. Bon, l'argument peut se faire. Mais alors, partons sur le principe que, voilà, tu arrives sur les 3-4 derniers trous, tu as un coup que tu sens pas forcément, mais tu le joues quand même. Donc du coup, à la fin de la partie, tu fais cette rétrospection. Comment est-ce qu'ensuite tu vas, le soir même, pouvoir gérer au mieux ce qui s'est passé sur la partie? Est-ce que tu as une conversation avec ton préparateur mental, parce que je sais que tu en as un? Est-ce qu'il y a un exercice que tu fais dans ta chambre d'hôtel ou quand tu vas à la piscine, ou tu vas, où, et tu vas te... Qu'est-ce que tu fais finalement? Bah déjà souvent ouais, les conversations avec mon prépa mental Makis Chamalidis sont vraiment bénéfiques pour me mettre en situation pour le lendemain. Mais si moi déjà j'ai un mot clé, c'est assumer. Si je prends une décision, il faut que je l'assume. Donc et souvent quand je rate des coups, c'est que je l'assume pas. Maintenant à partir de là, quand je me prépare pour une partie du lendemain, je me dis bon, peu importe ce qui se passe demain. Mais mon objectif de demain, c'est d'assumer 100% de mes coups. J'adore. C'est-à-dire que j'ai le droit de rater, Mais j'assume. mais je préfère rater en assumant Ouais. que de jouer un coup sans y croire, en le jouant qu'à moitié, de le rater. Ça, on n'a pas le droit. Ça, Donc. c'est le pire, c'est le truc que je vais éviter absolument. Donc, Donc, ouais. c'est mon but, moi, me mettre des objectifs, je ne me mets pas des objectifs de résultats, mais des objectifs de moyens, voilà, j'assume, je suis obligé de l'engager à 100% et d'assumer à 100% tous mes coups de main, quoi qu'il arrive. Mais encore une fois, on a le droit de rater. Mais si on l'a joué, si on l'a assumé, et ben voilà, c'est le plus important, j'ai envie de dire.
Encore une pépite d'or. Donc finalement, assumer, ça se traduit par être 100% engagé dans son coup. Et ça part aussi principalement par une routine de jeu qu'on a établie avant, sur lequel on est confiant. Ça part par une conversation que j'imagine que tu as avec ton caddie. Pour les joueurs amateurs qui n'ont pas de caddie, ça passe par une conversation interne où on est à 100% engagé avec nos émotions, nos sensations, la décision qu'on a prise. Et à partir de là, tu n'as pas de regret parce que voilà, tu as décidé de ce que tu voulais faire, tu es 100% engagé. Et ça c'est vraiment, vraiment top. Alors, j'ai une très, très bonne question là de la part de Cyril Le Guazigo, à qui on passe le bonjour, qui sera en direct demain à 11h sur la page du Journal du Golf. Vous avez beaucoup apprécié les séances de prépa physique avec Cyril durant les lives du week-end. Et donc, je mets la question là pour toi, Antoine. Donc, Antoine, est-ce que tu as une routine de respiration durant un parcours d'entraînement ou de compétition? Merci d'avance. Question de Cyril. Non, pas plus que ça. Je fais pas trop. C'est de la sophro, hein. Je crois que ça s'appelle la sophrologie, mais non, j'en fais pas plus que ça pour essayer de me calmer. Je sais que des joueurs le font pour essayer de baisser un peu son rythme cardiaque et se retrouver plus calme, mais c'est pas une technique que je fais, non. Ok, une autre question de la part. Alors, je vous remercie. On est monté presque à 1000 personnes, Antoine, durant le live. Donc, on a grimpé très rapidement durant le live. Donc, merci beaucoup à toutes les personnes de connecter et vraiment des superbes questions qui arrivent. J'ai une question là de la part de Damien Perrier. Cette fois-ci, c'est pas une blague. Il pose une question assez sérieuse. À quel critère tu juges un bon caddie ou pas, selon toi, donc tes besoins? Attends, tu peux répéter, pardon? Ouais, donc Damien Perrier pose la question, quels critères tu juges pour un bon caddie ou pas, selon toi et selon tes besoins? Donc on a parlé de l'importance de communication avec le caddie qui aide finalement avec la décision que tu vas prendre quand tu vas jouer un shot et que tu dois être à 100%. Donc parle-nous un petit peu des critères que toi tu juges pour avoir un bon caddie ou pas. Ce que je veux, c'est un caddie qui te met en confiance. Donc, en fait, moi, j'aime bien avoir une cible précise, une distance de jeu précise, que tout soit assez vraiment clair pour que moi, ça soit clair dans ma tête et que je connaisse vraiment les informations précises avant de taper un coup. Après, on attend d'un caddie qu'il ait zéro réaction, c'est-à-dire si qu'on fasse un 3 en 1 ou qu'on fasse un push slice hors limite, on attend d'un caddie qui n'ait pas de réaction mauvaise ou bonne. En fait, on essaie de rester le plus stable, le plus tranquille possible parce que les parties sont pas finies. Donc voilà, on attend beaucoup de calme, de sérénité, de confiance de la part d'un caddie. Moi, je viens de changer, enfin depuis le mois de janvier, donc j'ai un nouveau caddie irlandais Darren que je salue. Qui commence sa 23e année sur le circuit européen. Voilà, il a beaucoup d'expérience, il m'apporte beaucoup de maturité, on fait moins d'erreurs qu'avec mon ancien caddie, je trouve. Enfin, en tout cas, on n'a pas fait encore énormément de tournois, mais ça s'est bien passé depuis le début de l'année. Il me fait jouer comment dire, beaucoup plus agressif quand il faut. Et beaucoup plus safe quand c'est une situation où ça vaut pas le coup d'attaquer le drapeau. Donc c'est une maturité en plus qui m'apporte vraiment, je pense, sous pression en tout cas. Et voilà, mais bon, c'est vrai que c'est très important un caddie de haut niveau Ouais, sur le circuit. on voit les résultats récemment de Victor Pérez qui a le caddie, l'ancien caddie de Rory McIlroy. Et on peut imaginer que d'avoir un caddie qui a l'expérience qu'il a, les victoires qu'il a pu récupérer, ce qui veut dire que sous pression, il a la capacité de pouvoir gérer aussi le pilote, parce qu'il y a le pilote, il y a le copilote, donc le caddie étant le copilote. De la meilleure façon possible, ça apporte une énorme confiance finalement sur le sac quant à la décision qu'on va prendre, qu'elle soit validée par le copilote. Finalement, ça, on se dit, ah, ok, bon, bah, c'est une sorte de. C'est un complément, un bonus qui finalement nous aide dans l'engagement qu'on souhaite prendre. Ouais, complètement. Je donne un exemple tout simple, mais imaginons, on a un drapeau fond du green, qu'on décide qu'il y a 155 mètres au drapeau, que derrière le green, par contre, c'est très mauvais. Si le caddie te dit non, non, mais t'inquiète pas, tu peux prendre le fairway, il n'y a aucune chance que tu ailles long. Bon, bah, à ce moment-là, on engage le coup de fairway comme il faut, quoi. Mais alors que si on dit ouais, le fairway, le tape pas trop fort, il vaut mieux jouer à 5-6 mètres court du drapeau, enfin. C'est là où on commence un peu à réfléchir, à se mettre des doutes et on joue pas trop le coup. Donc voilà, c'est des discours vraiment importants de la part du caddie, bien maîtriser ses phrases et peser ses mots.
Alors, si vous n'avez pas de caddie comme Antoine, évidemment, c'est pas évident d'avoir justement ce copilote finalement quand on l'a pas pour de vrai. Et le copilote finalement devient un petit peu bah, no, no, notre intuition. C'est notre intuition qui doit nous guider, qui doit nous dire oui, c'est la bonne décision, t'inquiète pas. Alors, la façon dont vous pouvez faire, c'est tout simplement, vous avez aujourd'hui des applications qui existent qui vous permettent de télécharger les plans de parcours. Et là, en fait, avant d'aller effectuer une compétition, une partie, vous pouvez aller faire un petit repérage sur cette application et regarder justement à quelle distance se trouve le green et à quel moment justement se faire 8, il est impossible qu'il soit trop long ou pas. Donc ça passe déjà par connaître ces distances. C'est la majorité des golfeurs qui nous regardent, j'ai envie de dire, prenez le temps déjà de faire un étalonnage de club, de connaître ces distances, parce que ça part principalement par le fait qu'on connaît ces distances. Et donc moi j'utilise souvent cette application Antoine parce que voilà, j'ai pas de copilote comme toi, mais quand je suis sur le parcours, je regarde cette application et je regarde le fond du green, le début de green. Et quand le drapeau il se trouve à une certaine distance, je me dis, bon bah voilà, je sais que derrière le drapeau j'ai 15 mètres, donc je sais que ce club-là, la balle ne peut pas aller derrière le green, c'est pas possible, même si je tape un peu trop fort, j'ai un peu trop d'adrénaline, je sais pertinemment que voilà, ce club-là, il va, si je le tape bien, il va coller le mât, si je le tape mal, je suis toujours à l'entrée du green, si je le tape un peu trop fort parce que j'ai peut-être un peu trop d'adrénaline, la balle elle va peut-être voler 5-10 mètres, mais. Voilà, je me laisse pas l'opportunité d'aller chercher derrière, d'aller chercher derrière. Important dans le choix du club, c'est qu'importe le club qu'on choisisse, il faut le jouer. Alors, si je donne l'exemple du fer 8, bon, bah, si je tape le fer 8, mais que je suis 10 mètres long, bon, bah, je suis 10 mètres long, mais il faut pas jouer entre deux, il faut pas commencer à douter. Si on prend un club, on le joue, si on est un peu long, tant pis, si on est un peu court, tant pis, mais voilà, il faut toujours jouer son coup à fond et pas commencer à essayer de trop bidouiller, j'ai envie de dire. Et ça revient finalement à la décision à 100% que tu as évoquée juste avant, c'est à partir du moment où tu as choisi le club, on le joue à 100%. Et puis souvent, ce qui se passe chez beaucoup de joueurs amateurs sur le parcours, c'est que quand ils ont un doute, ils jouent quand même le coup en ayant le doute. Toi, tu le vois souvent dans les pro-ams, j'imagine, quand tu joues les pro-ams sur le circuit européen. Voilà, et donc la première déjà, la chose que vous pouvez tirer de ce Facebook Live avec Antoine, c'est engagement à 100%, quoi qu'il arrive. Même si, voilà, le club, il faut qu'avant que vous jouiez, que vous avez cette décision prise à 100%. Alors, j'ai une autre. Alors, ce n'est pas forcément une question, mais un commentaire de Claude qui dit, sans nier les choses qui n'ont pas marché, qu'il faudrait travailler, n'est-il pas important de ressortir d'une partie les choses positives avant d'augmenter la confiance? Alors, là, je vais répondre sur le plan du coach, et puis après, je laisserai Antoine répondre à ce commentaire. Mais pour ma part, je pense que voilà, moi j'ai deux façons de voir les choses quand on sort d'un parcours. Il y a évidemment les trois choses qui ont été hyper positives. Et donc moi, je pars sur des règles de trois pour rester simple. Je dis à un élève, voilà, prends un morceau de papier, marque-les pour que ça devienne quelque chose de concret. C'est toujours plus concret quand on marque les choses. Marque les trois éléments qui ont été hyper positifs durant le parcours. Donc ça peut être un coup que tu as réussi, ça peut être un putt sous pression. Ça peu importe, mais trois choses vraiment positives, le fait que tu t'es bien hydraté ou alimenté durant le parcours, alors que sur les parcours d'avant, peut-être que tu étais fatigué, peu importe, mais trois choses hyper positives, et ensuite, trois choses à améliorer. Donc pas forcément trois choses négatives, mais trois choses à améliorer. Parce que quand on parle de trois choses à améliorer, finalement, on avance, on met des pas en avant pour nous permettre de progresser, alors que quand on ressort sur trois choses négatives, finalement, tu vois, bah, ça a un impact qui n'est pas forcément le meilleur sur le plan psychologique. Ça, c'est ma façon de voir les choses en tant que coach. Antoine, est-ce que toi, tu ressens en te disant justement, bah voilà, ça aujourd'hui, ça s'est vraiment bien passé, ça c'était vraiment bien, et ça, c'est quelque chose que je dois améliorer. Ouais. Après, de toute façon, le golf est une quête perpétuelle vers la perfection. Donc, quoi qu'il arrive, que ça ait bien marché ou mal marché, moi, j'essaie de toujours travailler un peu tout. Maintenant, quand je vais au practice 15 minutes après une partie, je préfère travailler ce qui a un peu moins bien marché. Sans oublier, voilà, ce qui a bien marché. Si j'ai très bien drivé, par exemple, dans la partie, bon, bah, quand je fais mes 15 minutes de practice, je vais taper trois drives en essayant d'en mettre une grosse. Et voilà, je pense qu'il faut aussi se remémorer les choses qui ont bien marché. C'est Ouais. important, comme tu dis. Et S'appuyer puis, sur les bonnes choses, hein. puis il faut remettre cou le couvert le lendemain. C'est ça aussi. On arrive le lendemain matin en practice avant sa partie.
bon, bah, qu'est-ce qui a bien marché la veille? Mon coup de fer 7, je l'ai vraiment bien tapé. Et ben, on va essayer de se remettre en confiance pendant, en tapant 5-6 balles au fer 7, en essayant de dégommer ma cible. Ouais, c'est vraiment essayer de remettre le couvert sans arrêt, mais sans oublier, voilà, ce qui a moins bien marché la veille. Et là, on essaie de se remettre en confiance pour la partie. Génial, génial. Alors, une super question là, de la part de Mathieu Perrier. On voit que la famille Perrier est présente. Mathieu Perrier chez Titleist, à qui on passe le bonjour. Au putting, es-tu détaché du résultat? Ou est-ce que tu es du style à te dire, je vais la mettre, faut que je la mettre. Je vais la mettre, il faut que je la mette. Sur quoi est-ce que tu te concentres mentalement? Donc, au putting. Alors le putting là où c'est très énervant, c'est que plus on a envie de mettre le putt, moins on a de chance de le mettre. Comment faire? Moi pareil, j'ai des petites clés où j'essaie de me concentrer. J'essaie pas de rentrer le putt, j'essaie de faire le putt parfait. J'essaie de me dire, allez, déjà je me parle beaucoup avant le putt, je m'encourage. Je pense que le Le self-talk discours est très interne. important. Alors, donne-nous des exemples. Le discours interne, ça c'est super. Sur le putting, quand tu Par arrives, tu as un exemple, putt important à rentrer. je sais que j'ai pas mal de difficultés sur les putts à courte distance pour birdie parce que je me mets une sorte de pression. Il faut absolument que je rentre ce putt. Alors qu'en fait, c'est pas ça. J'essaie de m'encourager, d'un peu inverser mes pensées en disant, allez, motive-toi, enfin, aie confiance en toi, tu vas le faire, tu sais ce qu'il faut faire pour rentrer ce putt, t'en as rentré des milliers, je m'encourage en fait, j'essaie de Il n'y me a pas mettre des en mots-clés, il n'y a confiance. pas des mots-clés que tu utilises, par exemple, il n'y a pas des Moi, sortes j'ai un de. mot-clé, c'est allez, carré, carré en posture, en fait, c'est des petits trucs, j'ai des petites clés techniques en fait, où quand je sais que je suis carré devant la balle, j'ai un repère technique en fait, et c'est souvent dans ces moments-là que je fais le bon stroke. Donc Donc quand je me finalement, répète des choses que c'est je un focus connais, sur le process, quoi. oui, c'est exactement, je me Reviens au concentre sur le process. process, ma routine, donc moi j'aligne ma balle, je sais que si après, voilà, je m'encourage encore, allez, vas-y, t'es bien aligné, tu peux faire le bon putt. J'essaie pas de bidouiller pendant le stroke, là encore une fois, si on commence à bidouiller et si on essaie de trop se concentrer pour rentrer cette balle, elle va pas rentrer. Donc en fait, plus vraiment se concentrer sur le process que ce qu'on a à faire. Moi, j'essaie de putter vite. J'ai un regard vers le trou. Quand je reviens, je démarre le putter. Je suis désolé, c'est un peu Non abstrait mais, non, tout ce mais, que non, je mais c'est raconte, génial. Non, mais mais puisque moi, en fait, si tu veux, quand tu parles, Antoine, je suis en train de décortiquer en fait les éléments importants. Donc, focus sur le process. Tu vois, ça, c'est ouais. vachement important. Donc, finalement, on se focalise sur ce qu'on peut contrôler. C'est ça que tu es en train de me dire, Antoine. C'est que Exactement, ce quand qu'on peut tu décris tes contrôler, pensées, c'est qu'est-ce que je peux j'essaie de contrôler? réfléchir à quoi, mais voilà, s'encourager, pas penser à 10 000 clés techniques, parce qu'en fait, si on essaie trop de faire le stroke parfait, on va pas le faire. J'ai envie de donner l'exemple de, si je te demande de faire ta signature, tu me fais ta signature, naturellement, elle est parfaite. Par contre, si je te demande de refaire ta signature parfaitement, en suivant le trait de l'ancienne signature, tu n'y arriveras pas. Et ben, le putting, c'est un peu pareil. Il faut que ça soit un mouvement naturel, fluide, sans trop réfléchir. Ben là, il faut arriver à se mettre dans les dispositions pour faire ce putt le plus naturel possible. Et dis-moi Antoine, donc comme je disais au tout début du live, donc j'ai eu vraiment l'incroyable chance d'être sur le green du 18 lors du playoff que tu as effectué donc à la Freja Bank Marsh Open. Ça s'est vraiment joué à rien en fait. Tu vois, tu aurais pu gagner ce tournoi. Ça s'est joué à un putt finalement. Hein. C'est Rasmus qui rentre le putt pour le Eagle. Mais ce qu'il faut remettre en perspective, c'est que quand même vous faites tous les deux birdie birdie sur les deux premiers tours de playoff. Donc c'est un playoff qui est incroyable. C'est pas comme si tu avais fait une balle dans l'eau d'ailleurs comme notre ami italien, hein, voilà, qui met sa balle dans l'eau. Donc tu plantes le, enfin voilà, tu mets ta balle sur le green, tu rentres des putts. La raison pour laquelle je pense à ça, c'est parce que les deux premiers trous de playoff, tu rentres deux putts très importants. Tu rentres des putts très 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 importants pour continuer le playoff, pour faire des birdies, pour mettre la pression à Rasmus. Et à ce moment-là, tout ce que tu es en train d'évoquer là, donc le focus sur que tu sois carré devant la balle, le fait de te focaliser sur les choses, les éléments que tu peux contrôler, est-ce que ça, c'est quelque chose qui, du coup, tu as utilisé durant ce playoff quand tu fais tes birdies?
En fait, ce playoff, c'est marrant parce que le premier trou de playoff, en fait, je fais une sortie de bunker incroyable que honnêtement, je peux la refaire 10 fois. Je pense que la sortie que je refais, je la fais pas. Donc, le playoff, dans mon esprit, j'avais un peu rien à perdre. J'étais là, bon, bah, allez, on y va, on attaque. Parce De qu'un toute peu match façon, play maintenant, ça devient du match play au final. ouais, c'est du match play. Et au pire, je finissais deuxième de ce tournoi. Donc, c'était pas non plus la fin du monde, quoi. Et voilà, j'avais tellement rien à perdre, j'étais à l'attaque. Et la sortie de bunker que je fais au premier trou, je me suis dit, bon, bah, bon, ok, elle est injouable. Maintenant, vas-y, on va ouvrir la face de club le plus possible et on va faire un plein swing, quoi. C'est le seul moyen d'arrêter cette balle au drapeau. J'avais rien à perdre. J'ai même dit à mon caddie, celle-là, je peux faire une topette dans la tribune derrière, on s'en fiche, je peux faire 12 sur le trou, c'est pas grave, je serai quand même deuxième. Bon, bref. Et c'est au deuxième trou où je rentre un super putt de 3 mètres pour le birdie. Et là où j'ai été très bon, c'est que justement, je suis resté dans mon process. J'avais des mots-clés cette semaine-là qui je me souviens plus, mais tout s'est remis en place parfaitement comme pendant les 4 jours de tournoi. Et j'ai continué dans cette lancée de m'encourager, enfin voilà, du process, de la routine, de ce que j'avais à faire. Je me suis concentré vraiment sur ce que j'avais à faire et pas sur l'enjeu, pas sur le résultat en fait. Donc voilà, et là-dessus, j'ai été très bon pendant ce playoff. Ouais, donc ce qu'Antoine est en train de dire pour les joueurs qui nous regardent, c'est que finalement, le gros truc qui ressort des mots d'Antoine, c'est de se focaliser sur ce qu'on peut contrôler. Et finalement, quand vous arrivez à trouver des mots-clés qui vous ramènent dans le moment présent, qui est crucial, parce que et Antoine évoque, voilà, j'essaye pas de penser au résultat. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que je me projette pas dans le futur qui n'existe pas encore. Je reviens sur comment je me sens devant la balle. Donc cette posture carrée qui me ramène finalement au présent. C'est ça que tu es en train de dire, c'est que ça me ramène au présent. Donc souvent, voilà, quand on se retrouve sur un parcours, la difficulté, c'est soit d'être dans un passé qu'on peut plus finalement changer, donc on repense à un élément qui vient de se passer avant, ou soit on est dans un avenir qui n'existe pas parce qu'on est en train de se dire, waouh, si je fais birdie, je pourrais gagner potentiellement ce tournoi. Si je gagne ce tournoi, ça pourrait me donner accès à tel tournoi, ça me pourrait mettre dans le ranking. Enfin, c'est voilà, on commence à penser à plein d'éléments finalement qui nous aident pas. Et donc pour les joueurs amateurs, ça se traduit aussi par des choses sur le parcours où pareil, on pense à 2-3 trous en avance alors et on oublie finalement la seule chose qu'on peut réellement maîtriser, c'est le coup qu'on est en train d'effectuer et comment est-ce qu'on maîtrise le ou comment est-ce qu'on on optimise le coup le mieux possible finalement, c'est de se focaliser sur le process, la routine, une clé technique peut-être hein, sur le parcours qui nous permet de rester dans le moment présent. Des mots-clés, je repense à Rory McIlroy l'année où il a gagné le British Open. Et que sur le parcours, tout ce qui s'est dit pendant la semaine, il répétait deux mots. Il répétait fairway et green, fairway et green. C'était un moyen pour lui de se répéter en se disant tout simplement, si je touche le fairway et si je touche le green, je vais me donner toutes les opportunités d'être en haut du leaderboard lors du dernier jour. C'était parce qu'il disait qu'il se retrouvait souvent à penser en fait à gagner le tournoi, parce qu'il avait tellement, c'était son premier British Open qui gagnait, il pensait tellement à gagner le tournoi et c'était un moyen pour lui de revenir finalement sur le process. Qu'est-ce que je dois faire? Donc Antoine, tu vois, tout ce que tu es en train de décrire finalement, ça, moi j'essaie de le traduire d'une façon plus Non, non, mais c'est exactement pédagogue, ça. tu vois, pour que les amateurs puissent en tirer les meilleures leçons possibles. Même j'ai même envie de dire devenir obsédé par une idée, en fait. Voilà, Rory, c'était le fairway et le green. Exactement. Si on s'obsède avec une pensée, ça peut être une clé technique, mais si on se retrouve obsédé que par ce truc-là, bah, au final, tout le reste, l'enjeu. Alors, moi, Maurice, c'était gagné sur le circuit européen, mais pour un amateur, ça peut être baisser son handicap ou quoi. Exactement. Tout ça passe à côté parce qu'on est obsédé que par ce truc. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être. Bah, moi, c'était m'engager à 100% des coups. J'étais obsédé que par ça. Et au final, quand on s'obsède que par une idée, tout le reste disparaît. Génial. On a une question de Guillaume Biogeau qui sera tout à l'heure à 14h45 avec Grégory Havret. Il va évoquer un peu le jeu lent avec Grégory Havret, un autre joueur du circuit européen qui a énormément d'années d'expérience et puis qui va donc du coup partager un live avec Guillaume Biogeau qui est le directeur du Golf PGA France du Vaudreuil. Guillaume que tu connais très très bien, Antoine qui te pose la question suivante et je vais le rajouter au live. Guillaume qui dit quand cela ne va pas sur le parcours, et c'est là où c'est voilà, on n'a pas encore évoqué ce côté-là. Quand cela ne va pas sur le parcours, quels sont les moyens que tu as pour réagir? Alors, Antoine, quand on repense à la Freja Bank, j'étais avec toi sur les 3-4 premiers trous,
lors du dernier jour, donc le dimanche. Et là, les choses ne se passent pas forcément comme tu veux. T'as pas le démarrage que tu souhaitais. Tu me rappelleras, mais il me semble que tu as fait deux bogeys peut-être sur les 3 ou 4 premiers trous. Tu me dis si je me trompe. Donc là, concrètement, t'es le dernier jour, t'attaques pas forcément la partie comme tu le souhaites. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais quand, à ce moment-là, quand ça va pas comme tu veux? Bah, c'est pas évident à gérer. Ce qu'il faut, c'est vraiment bah, essayer de. En fait, ce qui est passé est passé. J'aime bien me donner un moment où. Alors qu'on appelle ça le point de non-retour avec mon prépa mental, c'est le moment où je range ma bouteille d'eau dans le sac. Tout ce qui s'est passé avant est terminé. Génial, Donc, génial. Alors attends, en juste fait. explique-le concrètement. Donc tu sors d'un trou, tu viens de faire un bogey. Ouais. Ça veut dire quoi ça, En ce fait, moi c'est un j'adore ça. moment qu'on choisit, que le joueur choisit. Ça peut être un bruit, ça peut être le moment où on pose le sac par terre, ça peut être n'importe quoi, mais dès que ce moment arrive, tout ce qui s'est passé avant est terminé. Et on se reconcentre sur son nouveau coup. Alors c'est pas évident, hein, parce que si on prend un bogey, même ça peut être pire, un triple bogey ou quoi, on est très très énervé, mais il faut absolument arriver à se reconcentrer sur le coup d'après, parce qu'on peut faire qu'empirer les choses en fait. Donc, si on ne se reconcentre pas, on peut se foutre son tournoi en l'air d'une manière horrible, quoi. Donc, à l'humoriste, j'ai mal démarré, j'étais plus 2 après 3 trous. Et je t'ai J'étais même dans vu le sur le dur, j'étais par vraiment 3, dans le dur. je t'avais vu, alors il me semble que c'était le trou numéro 3, le par 3 où tu mets un coup de fer, bon t'es pratiquement sur le green hein, et tu fais 3 putts, ou tu fais approche et 2 putts, et là tu sors du green et je te vois un peu énervé quoi, je te vois sortir du green, tu mets un petit coup de 100 mètres au sol, voilà, y a de la frustration qui est là, donc est-ce que cette technique tu l'as adoptée à ce moment-là, parce que tu te remets après dans la partie, là c'est tu te remets bien, hein, Complètement. À ce moment-là, je suis frustré parce que je me dis, merde, encore une fois, je vais passer à côté de mon dimanche. Voilà. Et en fait, je suis arrivé. Alors, je dis pas dès le trou d'après, j'ai fait le par, mais je crois que j'ai même sauvé un bon par d'ailleurs. J'ai réussi un peu à me remotiver en mode, allez, il faut se battre, quoi. Ça m'a un peu fait un électrochoc, en fait. Et en fait, bon, la technique du point de non-retour, quand je range ma bouteille d'eau, elle fonctionne, mais ça peut prendre du temps. Et en fait, j'ai eu de la chance 2 trous plus tard, j'ai rentré un putt de 6 ou 7 mètres pour birdie, et ça m'a complètement relancé, et après, la partie, elle était repartie. Mais voilà, il faut absolument arriver à se reconcentrer sur la suite, parce que c'est le plus important, bah, c'est le coup qui arrive, quoi. Ouais, donc tu vois qu'on décrit le moment passé ou l'avenir. T'as vu, juste avant, on parlait un peu du le fait que le résultat, il faut revenir au process au moment présent. Là, on parle du fait que tu viens de sortir d'un trou, tu viens de faire bogey, donc c'est le passé. Donc comment on revient dans le moment présent? Finalement, tu as des stratégies différentes suivant la situation et le moment pour te faire revenir dans le moment qui est le plus important, qui est le moment présent. Et donc, pour les joueurs amateurs, moi j'ai plusieurs stratégies que j'adopte avec mes joueurs. Ça peut être la stratégie de 10 pas, j'appelle ça. Donc, c'est-à-dire que quand on est frustré, on vient de taper un mauvais coup. Tu peux te permettre, si tu veux, d'être frustré, énervé, si tu as envie. Si c'est des émotions qui t'arrivent, des fois, il ne faut pas les négliger, il ne faut pas les bloquer. Si tu as envie de les sortir d'une façon, si tu as envie de les exprimer, fais-le. Mais compte jusqu'à 10, 10 pas. Tu marches 10 pas et quand tu as marché tes 10 pas, tu dis OK, c'est bon, c'est derrière moi, maintenant on avance et on pense au prochain coup. Donc tu vois, c'est une autre façon aussi, tu vois, une autre stratégie. Voilà, donc peu importe ce que c'est, comme a dit Antoine, ça peut être un bruit, ça peut être le fait de boire une bouteille d'eau. Moi à l'époque, j'avais un élastique, tout simplement, je me tirais l'élastique et puis à partir du moment où boum, ça faisait le bruit, je me disais ok, maintenant on repasse au moment présent. Et peut-être que ça va pas se faire facilement au début, ça demande de l'entraînement, ça, hein, ça demande de la discipline. C'est pas genre ok, j'ai trouvé un truc et boum, ça va marcher du premier coup. C'est comme le swing de golf, c'est comme quelque chose qu'on est en train de travailler, quelque chose de technique. Ça demande de la pratique, ça demande de l'entraînement. Il faut être discipliné pour pouvoir le faire. Et au fur et à mesure où on le fait, on commence à être de plus en plus à l'aise. Et c'est là où on commence à vraiment voir les résultats, n'est-ce pas? C'est complètement, mais ça demande de la pratique et de La l'entraînement pratique. Et souvent, et le de la problème mise avec en population. le mental, c'est que les. Puisque c'est pas quelque chose aussi visuel que l'aspect technique du swing, tu sais, tu peux regarder ton swing en vidéo, tu peux dire, ah ouais, bon là, mon swing a changé. Mentalement, c'est un peu plus difficile hein, que le joueur voit les progrès. C'est finalement le joueur lui-même qui, en interne, va réaliser les progrès qu'il fait, en fait, sur le parcours, de la façon où il se sent sous pression, et d'avoir cette vraie prise de conscience et de constater que oui, il y a une amélioration. Mais ça, encore une fois, puisque c'est pas quelque chose qu'on voit aussi bien que la mécanique du swing,
C'est pour ça que c'est quelque chose pour moi, je pense, qui est le moins travaillé, quoi. Parce que c'est la chose où c'est un peu plus difficile de mettre un doigt dessus et comment, tu vois, c'est un peu plus Un difficile de peu développer des plus. stratégies finalement. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant Ouais. de te parler, Antoine, parce que tu vois, tu as des stratégies, tu as des choses que tu fais sur le parcours pour te permettre de finalement de revenir dans le présent. Alors, il y a ton frère qui est connecté, qui pose une bonne question. Donc, Olive Rosner qui dit, est-ce que tu te fixes une stratégie, plan de jeu avec ton caddie avant de commencer un tour? Donc, le dimanche, tu es à la Freja Bank. Est-ce que le matin, quand tu arrives, tu sais que tu as ton départ vers midi, 13h, est-ce que le matin, tu vois ton caddie ou peut-être le soir d'avant? Est-ce que vous déterminez ensemble une stratégie? Alors le matin ou même le soir d'avant, non. Par contre, ce sont les jours de reco. Ça, c'est les jours de reco où on se dit, voilà, alors il y a peut-être une option sur ce trou. Quand le drapeau, il sera à tel endroit, on peut peut-être penser à telle option, le driver au lieu du coup de fer au départ ou vice-versa. Par exemple, un trou, un drapeau très court où il faut un plein de coups pour se mettre proche du drapeau, bon, bah peut-être... On se dit le jour de l'Arco, on va peut-être mettre un coup de fer au départ pour se laisser un plein coup de wedge, arrêter la balle plus facilement. Ce sont des trucs qu'on met en place pendant l'Arco et après ça va de soi en fait quand on arrive sur le parcours pendant cette situation quoi. D'accord, ok, cool. Ok. Alors, en repensant un petit peu, donc tu finis ton playoff à la Freja Bank. Est-ce que derrière, tu as un coup de fil avec ton préparateur mental? Comment est-ce que tu tires une énorme, quelque chose d'énormément positif de cette expérience? Au lieu de te dire, putain, j'ai perdu en playoff, tu te dis plutôt, voilà, comment est-ce que je peux me servir de cette expérience pour que la prochaine fois que je me retrouve dans ce scénario, ça sera pour moi. On sait que Benjamin Hébert a connu une expérience similaire quand il a perdu face à Wisberger en Écosse en 2019. Donc voilà, vous avez été plusieurs Français en playoff en 2019 à être en playoff et à être tout près d'une grosse victoire. Comment est-ce que toi, tu sors de cette expérience et tu te dis, la prochaine fois que je suis en situation, c'est pour moi, je vais le gagner? Bah déjà sur le coup, j'étais très déçu, hein. C'était horrible, le tournoi était long. Playoff, il était long. Enfin, vraiment, on s'y voyait. Enfin, je me voyais soulever ce trophée. Et en fait, non. Donc, sur le coup, il y a eu un coup dur vraiment assez fort. Après, j'ai pas appelé mon prépa mental ou mon coach direct après. Je les ai appelés quand je suis rentré en France le T'as laissé quelques lendemain. jours passer, d'accord, ok. T'as laissé quelques jours passer, plusieurs jours passer. Après, il faut pas oublier aussi que c'était ma plus belle performance sur le Bien tour, quoi. sûr, complètement. Ouais, ouais, Donc, ouais. j'en tirais beaucoup de, enfin de. C'était vachement positif cette semaine, tu Ouais. vois, malgré tout. Donc maintenant, j'essaie plutôt de tirer un trait sur cette semaine, dans le sens, pas dans le sens, bon, bah, au prochain playoff, je gagnerai, mais dans le sens où, bon, bah, maintenant, c'est passé, il faut se remettre dans le tournoi d'après, Ouais. même s'il y avait un petit break, mais mon but, c'était que quand je reviens à la compétition, eh bah, je serai de nouveau à l'attaque, je serai de nouveau là pour aller chercher des performances, et pas me reposer, oh, j'ai fait deuxième sur le tour, tout va bien, c'est acquis, quoi. Ouais, Non, c'est pas ça le golf, et en fait, c'est encore une fois remettre le couvert et aller de l'avant, quoi qu'il se passe, quoi qu'on fasse un mauvais résultat, qu'on loupe 5 cuts de suite ou qu'on gagne un tournoi. Ce qui est dur, c'est arriver justement la semaine d'après à se remettre pour aller chercher une performance, quoi. alors, on a un super commentaire de la part de Martha Piquet qui dit très intéressant et surtout très instructif, peu importe le niveau, un grand merci pour cette rencontre. Donc tu vois Antoine, voilà, t'as beaucoup beaucoup de personnes qui sont derrière toi. Tu vois, tu le vois pas forcément quand tu es en tournant à l'autre bout du monde comme à l'île Maurice, mais tu sais, voilà, c'est nous en tant que spectateurs quand on regarde les joueurs français, voilà, on adore voir les joueurs français performer au plus haut niveau sur le circuit européen. Et c'est vrai qu'on a eu une année 2019 absolument fantastique, surtout en fin d'année, dans le dernier trimestre, on a eu des résultats de la part des joueurs français qui waouh, c'était les perfs toutes les semaines. Il y avait un Français sur le podium, dans le top 5, dans le top 10. Et puis toi, derrière, boum, t'attaques la première partie de la saison avec une deuxième place. Et comme tu dis, il y a beaucoup de joueurs qui verraient, ou beaucoup de spectateurs qui se diraient, oh, il a perdu un playoff. Et toi, ce que j'adore, c'est que tu le vois, bah, moi, j'ai fait ma meilleure performance sur l'European Tour jusqu'à présent. J'ai fini deuxième en commençant ta saison sur le Tour européen. C'est ta première vraie saison sur le Tour européen et tu fais ta meilleure performance. Et moi, ce que j'admire surtout, Antoine, c'est que
Encore une fois, je parle de la Freja Bank beaucoup parce qu'en fait, j'ai eu l'occasion d'être là et je l'ai vécu à l'intérieur des cordes, finalement en te regardant à côté du fairway. Donc, j'ai vraiment pu te regarder tout au long de la journée, que ça soit à l'échauffement avant, pendant la partie, même après. Tu sais, après, voilà, j'étais sur le green du 18 quand tu perds le playoff. Et tout au long de la journée, j'ai admiré un joueur qui, au début de la partie se passe pas comme tu veux, tu te remets dedans. Tu joues le golf que tu as joué, tu te retrouves en playoff. En playoff, hein, tu fais deux birdies, mais voilà, avec le coup de bunker, comme tu as dit. Tu sais, quand j'ai vu ta sortie de bunker, j'étais là, j'ai fait. Tu vois, bah, franchement, ça m'a bluffé, quoi. J'ai fait, j'ai dit, elle était incroyable, cette sortie de Elle était bunker. dingue celle-là. Et donc, quand tu prends tous ces éléments positifs, et finalement, tu réalises que bah, ça se joue à un putt, ce tournoi. Ce tournoi, la victoire se joue à un putt. Et moi, ce que j'admire aussi, ce que les gens voient pas, et j'en parle souvent à mes élèves en off, mais ce que j'admire surtout, c'est ton comportement après le tournoi, Antoine. Pour les personnes qui nous regardent et qui voient pas ces choses-là à la télé, il faut savoir que quand Rasmus il rentre son putt, il y a une sorte de foulée qui court sur le green, avec le champagne qui arrose Rasmus. Et là, il y a Antoine qui joue sur le côté du green, qui le félicite. Et c'est comme dans un, c'est presque comme dans un film, quoi. On a tout le monde qui court vers le vainqueur. Et je me rappelle qu'il y a des gamins qui sont venus te voir, Antoine, et qui t'ont demandé un autographe et une photo. Mais genre, une minute après que le putt soit rentré, une minute après le putt de Rasmus, le eagle, Ouais, c'était il y a dur. des personnes qui sont venues te voir pour te demander de prendre une photo et un autographe. Et la classe que tu as eue, Antoine, c'est de ne pas refuser une personne. Tu as signé des autographes, tu as même donné, il me semble que tu as donné ton gant ou tu as donné des balles. Donc, tu as donné des balles, mais ça, c'était vraiment, c'était pas une heure après, c'était une minute après que le playoff soit terminé. Tu as réussi à garder cette classe du joueur qui donne aux fans, les amateurs qui étaient là. Et ça, j'ai trouvé ça hyper gracieux de ta part parce que c'est pas évident, quoi. C'est pas évident quand on passe à ça et que les émotions derrière, comme tu dis, tu vis des émotions, c'est là, ça, c'est tout d'un coup, tu as toute une semaine de tournoi qui commence à tomber. Ouais, c'était dur. Et que derrière, il faut aussi. C'était la fin de saison en plus. On était épuisés. Voilà, c'était le dernier tournoi de l'année. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi. Et ouais, voilà, c'était un dur moment. Mais au final, bah, comme je te disais, hein, ça restait un super. Bah, maintenant, je trouvais que c'était un moment de dingue, quoi. Même Ouais. si j'ai perdu, c'était un moment de dingue. Et il faut en tirer le positif, de ces moments-là, quoi. Alors, on a le temps de répondre encore à une ou deux questions. Il y a ton frère encore qui pose une bonne question. Donc, je sélectionne, hein, les questions au fur et à mesure. Donc, merci à tous pour vos commentaires. On est à presque 500 de connectés maintenant. Donc, il y a Olive qui dit, tu parles des mots-clés que tu as. Donc, on repense aux mots-clés de tout à l'heure. Est-ce que c'est une feuille de route que tu as depuis longtemps? Et ça, la question, elle est hyper intéressante. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu as depuis longtemps ou est-ce que c'est quelque chose qui évolue souvent, donc à travers les différents tournois ou les différentes périodes de ta vie? Est-ce que c'est quelque chose qui peut évoluer? C'est un truc que j'ai bien travaillé l'hiver dernier, donc avant la saison Challenge Tour. Je me parlais très peu, moi sur un parcours je m'encourageais très peu, je subissais plus la pression qu'autre chose. Et voilà, j'ai fait un gros travail sur comment je me parle pendant une partie. Et ouais, ça fait une différence énorme parce que si on est là plus en train de s'encourager plutôt que de dire merde, pardon l'expression, on te chie pas dessus ou quoi, bah, d'un coup on est plus à l'attaque que on subit moins. Donc c'est un truc que j'ai bien travaillé l'hiver avant la saison Challenge Tour. Je l'ai travaillé comment? Je l'ai travaillé en me mettant dans le dur à l'entraînement avec des exos de performance où je devais pas quitter le putting green ou le chipping green tant que j'avais pas fini l'exo. Donc c'était en me mettant vraiment dans le dur, ça me mettait une forme de pression, moi, parce que j'avais envie de partir de ce chipping green, quoi. Je me mets aussi sous pression sur le parcours en me disant comment je faisais. Je faisais des trous, le jeu n'était pas du tout taper le drive, c'était très étroit, il y avait des hors limites, ouais, ben, je me forçais à taper le drive à l'entraînement pour me mettre sous pression, en fait. Et si, il fallait que j'assume ce coup, même à l'entraînement. Alors que ce n'était pas du tout le coup, hein, mais on est à l'entraînement, on s'en fiche. Voilà, si dès l'entraînement, on arrive à assumer tous ces coups-là, et ben après, on s'est entraîné pour le tournoi. Donc voilà, c'était des exos. Et pendant cet hiver, j'avais vraiment mis le paquet là-dessus. Et ça avait payé dès la reprise de la saison, quoi. Top, top, top. Alors, question, juste une petite question rapide parce qu'il y a Patrick Schmidlin qui pose une question sur
le matériel. Donc, question matérielle. Donc, Patrick, on remercie également qui est partenaire de nos Facebook Live, qui donc représente Golf Plus. Donc, un grand merci à Patrick d'être partenaire de nos lives pendant ce confinement. Qui dit, question matérielle, emmènes-tu en tournoi plusieurs putters, drivers sans wedge? Point d'interrogation. Non, pas tellement, parce que j'aime pas trop changer mon matériel quand je me sens bien avec un club. Je me dis qu'il n'y a pas de raison de changer. Là, j'ai changé de putter en début de saison, pareil, parce que je sentais que je pouvais progresser à ce niveau-là, mais ça faisait quoi, 3 ans que j'avais le même putter, donc je change vraiment pas beaucoup. Je change de sandwich régulièrement, par contre, parce que là, ça s'use Les strips, vite. Et on a la chance, quand on est sur le tour, de pouvoir changer très régulièrement. Et pareil, de drive, je change très peu. Ça fait 2 ans que j'ai le même driver et je me sens bien avec. Donc j'ai pas forcément envie de changer. Maintenant, oui, si on sent qu'on peut progresser dans un compartiment, aller faire un bon fitting de club, ça peut être vraiment bénéfique pour gagner en performance. Donc c'est à voir. Maintenant, si on a un club qui fonctionne, pas forcément aller chercher encore une fois une petite bête quand il n'y en a pas, quand il n'y en a pas forcément besoin. Ouais, je pars du principe que s'il y a un nouveau club qui va dans mon sac, il faut absolument que ce club me donne des meilleurs résultats que celui que j'ai Ouais, c'est actuellement. ça. Ouais, bien Ça, sûr. c'est Ouais. ou adapter le matériel par rapport au parcours que tu as joué. C'est pas donné à tout le monde, mais c'est vrai que sur le circuit, je sais que quand vous allez jouer sur différents styles de parcours, vous allez peut-être sortir un club et en mettre un autre. Donc voilà, sur le circuit, vous avez vraiment accès à des choses super, mais évidemment, avoir un matériel adapté à soi, c'est la base, c'est vraiment le plus important. Merci Patrick pour ta question. Un commentaire cette fois-ci de Patricia qui dit super ce live. On s'aperçoit que les pros ont les mêmes problèmes que nous quand on rate un coup. Donc alors, je dirais pas forcément c'est que c'est un problème, mais en tout cas, on vit les mêmes, on vit les mêmes émotions, on va dire, que nous quand on rate un coup. Sauf que nous, il y a un peu plus de coups ratés. Patricia qui dit. Donc merci Patricia pour ton commentaire. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de personnes qui est connectée. Tiger Kawet. Hey, mettez vos vrais noms s'il vous plaît sur Facebook. Arrêtez avec les noms. Tiger Kawet qui est. Maurice, c'est le premier ex aequo puis deuxième en playoff. Fabrice qui est là, qui merci. Merci à vous deux, très instructif. Fabrice Galfard qui est là. Martha qui dit c'est la classe, c'est ça la classe, bravo. Donc ça c'est te concernant évidemment Antoine, Mathieu Perrier qui dit bon gars, super joueur et super ambassadeur, tight lest. Donc Marc-Antoine qui c'est aussi beau qu'une victoire différemment. Antoine, du sérieux, du talent, de la gentillesse, merci. Donc tu vois que voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont derrière toi Antoine. Donc, il y a. Alors, on va peut-être finir sur une petite. Est-ce que tu es. Alors là, je la pose parce que c'est la première fois que je lis une question comme celle-ci. On l'entend souvent dans les autres sports, donc le foot. Mais il y a Ber Led qui dit, est-ce que tu es superstitieux sur le parcours? Peut-être avant, est-ce qu'il y a des superstitions que tu as, une façon de peut-être de ranger tes clubs, voilà, comme Nadal qui, lui, doit avoir les Ça buts peut de. arriver. Bah, ça peut Ça peut arriver, c'est arriver. Je suis vrai? pas plus superstitieux que ça, mais par exemple, si j'ai fait une super journée de putting sur un parcours, j'aime bien garder la même pièce pour le lendemain. Ah ouais, c'est moi, ouais, Mais sinon, c'est. pas plus que Je ça. fais pareil, j'ai toujours le même marque-balle. Si j'ai pas mon marque-balle dans Ouais. mon sac, je suis wow. Ouais. Donc moi aussi j'ai quelques. On a quelques. Finalement, ça nous aide à se focaliser sur ce qu'on peut contrôler. Hein, finalement, c'est au lieu d'appeler ça des Ouais, superstitions, c'est finalement d'avoir une routine. C'est la routine, c'est de vérifier que. mais. Au final, est-ce qu'inconsciemment, je me dis pas j'ai la même pièce que la veille? Ouais. Ça me met en confiance pour le lendemain, peut-être, je sais pas. C'est des petits trucs, voilà. Il faut pas que ça ait trop Ouais, d'importance voilà, non plus. c'est ça non plus. Parce que moi, des fois, sur des Ouais. parties, ça m'a mangé le cerveau. Quand Non, j'ai eu quelques superstitions, et je me suis dit, Lewis, il faut que t'arrêtes là. J'ai des choses, des fois, ouais. qui m'ont arrivé dans le sac, ou le sac, il n'est pas rangé comme je veux. Donc, c'est vrai que voilà, on l'a dans le coin de la tête, mais il faut pas que ça nous, non plus, que ça nous, ça nous consomme. Alors, je vais finir par lire quelques commentaires, Antoine, et puis ensuite, je vais te libérer. Il y a David Pivoto qui dit très instructif, merci beaucoup. J'ai Caroline qui dit merci. Christelle qui dit merci beaucoup. Benjamin qui dit merci beaucoup. Voilà, Frédéric qui met des pouces. Justina qui dit c'était top, on adore, merci encore. Voilà, donc vraiment que des commentaires positifs à ton égard, Antoine. Et encore une fois, ce que je voulais faire, parce que je sais que voilà, c'est pas quelque chose qui est évident de partager finalement nos pensées, ce qu'on ressent
surtout à travers un live où on a une communauté de joueurs qui nous regardent. Mais je vais te remercier du fond du cœur parce que voilà, pour moi, c'est toujours une occasion de partager avec un joueur qui a vécu des choses extrêmement intenses sur un parcours de golf. Encore une fois, on a tous les mêmes émotions, mais je pars du principe qu'un joueur, ses émotions sont amplifiées finalement fois 10, 100, 1000 des fois quand on arrive dans une situation sous pression et qu'on peut gagner un tournoi qui peut littéralement changer notre vie. Voilà, vous vivez des choses à une intensité qui est absolument énorme et de savoir comment toi tu fonctionnes, de connaître tes stratégies, de pouvoir les partager comme ça avec la communauté de golfeurs qui nous regardent, je trouve ça vraiment juste génial. Donc un énorme merci à toi Antoine. Et peut-être dernière question de ma part sur le plan golfique. Pendant ce confinement, est-ce qu'il y a des choses que tu fais chez toi, par exemple préparation physique? Il y a Cyril qui est toujours là, qui dit un réel plaisir, qui est un préparateur, qui est le responsable, le représentant TPI en France. Est-ce que toi, il y a des choses que tu fais pendant le confinement pour continuer à améliorer ton golf, hein, même en restant de chez toi? Alors le golf, non, pas évident, je fais rien. Je fais D'accord. rien. J'ai pas de tapis de putting et on peut pas, dans un appart parisien, on ne peut pas taper des balles. OK. Par contre, je fais du physique, ouais. J'ai des poids chez moi. OK. Tant qu'on a le droit de sortir courir, je sors courir, donc je m'entretiens physiquement. Mais voilà, pour le golf, non, à part regarder la télé, les anciens tournois, on peut pas faire grand-chose. D'accord, OK. Donc tu fais quand même de la prépa physique, voilà, tu continues à Ouais. t'améliorer physiquement durant ce confinement, t'es pas là à rester toute la journée juste à regarder la télé, quoi. Non. T'as un Non. programme que tu suis avec ton coach qui te donne des exercices à Ouais, faire? on a un programme. Après, c'est moins, je dirais, Un peu moins intense que... efficace que quand on est Ouais. en salle, mais voilà, je fais ce que je peux. Heureusement, j'ai des poids chez moi, donc je peux faire un peu de sport, j'ai de quoi faire quand même, donc voilà, je peux m'entretenir. Antoine, encore une fois, un énorme merci de la part de toute la communauté du Journal du Golf, de la part de Ouais. l'équipe du Journal du Golf, tous les journalistes et moi-même et même Guillaume Biogeau et Rémi Bédu qui étaient durant ce live. On te remercie pour ta transparence, le fait de partager toutes tes expériences avec nous et on te souhaite que le meilleur évidemment pour cette année, la victoire et sur le circuit européen. Tu l'as fait sur le Challenge Tour, donc ça va arriver à un moment ou à un autre sur le Tour européen, c'est sûr et certain. Tu as un grand avenir devant toi. De quoi? Faudrait qu'on rejoue déjà. Ouais, mais c'est ça. Bah ouais, je pense que j'espère que bah, peut-être à l'Open de France, hein, on sait pas, mais bon, voilà, c'est l'Open Ouais. de France pour l'instant Très n'est bien. pas. Mais ça serait bien de se retrouver début Ouais. juillet sur le parcours du golf national. En tout cas, merci encore une fois à toi Antoine, merci à toutes les personnes qui étaient connectées durant le live. Il y a les commentaires qui continuent à arriver, qui disent bravo, bravo jeune homme, merci monsieur, un grand merci à vous deux pour votre partage d'expérience, des axes de progrès identifiés pour moi. Anne-Marie qui dit merci pour ce partage, donc merci à vous. Le prochain Facebook Live aura lieu avec Grégory Avray à 14h45, Guillaume Biogeau, directeur PGA France du Vaudreuil et Grégory Avray, joueur du circuit européen. Et vous pourrez retrouver Rémi Bédu à 17h, qui lui également aura une thématique qu'il va partager avec vous. Et à 11h demain matin, vous serez en direct avec Cyril Leguizigo, qui est donc là dans le commentaire, qui partagera avec vous des astuces sur la préparation physique, peut-être une séance de sport en direct. Donc Antoine, si tu as demain matin rien à faire, tu sais que tu pourras te connecter et suivre la Restons séance connectés. en live. Antoine, un grand merci encore une fois. Et puis on se retrouve bientôt sur les fairways. Tout le meilleur pour cette Salut. année. Et puis, bonne journée à tous. Ciao, ciao.